Aujourd'hui, on se retrouve pour un truc exceptionnel. Je suis beaucoup trop hypé. Je vous dis ça dans 3, 2, 1. Le retour des vlogs du Baz et le retour de la vidéo du mercredi soir. Bon, forcément, si vous regardez cette vidéo mercredi, vous avez vu qu'il y a une vidéo le mercredi soir. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de reprendre la caméra après un mois, donc mois complet de janvier, où je vous ai juste mis une vidéo par semaine, la vidéo du dimanche, et qui étaient des vidéos un petit peu spéciales, un petit peu différentes, où j'essayais de faire des nouveaux concepts avec des gros montages, des tournages beaucoup plus longs et des vidéos dans lesquelles j'ai investi beaucoup plus sur tous les aspects. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur ces vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et je suis content que vous ayez apprécié ces nouveaux concepts et ces nouvelles vidéos. Mais là, voilà, j'ai repris la caméra pour vous faire un bon vlog comme vous les aimez et comme je les aime après plus d'un mois sans vlog, voire même plus de 2 mois, parce que pendant le mois de décembre, les vidéos quotidiennes, c'était pas forcément des vrais vlogs parce qu'il y avait les challenges, il y avait les une vidéo par jour, donc c'était un petit peu différent. Mais en attendant, on est tout de suite parti pour le vlog du jour et pour ça, on va retourner 2 jours en arrière parce que j'avais déjà pris la caméra pour vous filmer le vlog. Donc on se retrouve 2 jours avant, de bon matin. Let's go et enjoy la vidéo. Bon, Mif, là il est 6h15 du matin et l'objectif, ça va être d'aller faire un petit 5 km. Avant 7h, comme ça c'est fait de bon matin et je garde cette habitude de me lever tôt et d'être productif. Et la clé pour courir de bon matin, c'est de préparer en avance. Donc là j'ai mon petit haut compression, ma petite veste pour bien avoir chaud, la petite paire de chaussettes bien évidemment, le leggings de compression parce qu'on est toujours en hiver donc je vais pas sortir juste en short, et par dessus le leggings je vais donc mettre le short. Donc là je vais juste me réveiller tranquillement, je vais me faire un petit café et ensuite je me change et on est parti sur un 5 km. J'ai une bonne petite demi-heure pour me réveiller, prendre un café, me changer et ensuite on va sortir dans le noir. Je vous montrerai ce que j'ai acheté aussi pour les runs matinaux, c'est vraiment kiffant. À la vôtre les gars, à ce 5 km matinal. Et là les gars, on est au max. Voilà les gars, regardez ce que je me suis acheté il n'y a pas longtemps pour les runs matinaux, une lampe frontale. Et ça fait vraiment la diff, parce que c'est la première fois de ma vie que j'achète une lampe frontale, parce que là je reprends l'habitude de courir tôt le matin, donc forcément il fait nuit, et ça me souvient un peu de courir avec le flash pendant les premières 20 minutes, tant que le soleil n'était pas levé. Donc là je me suis acheté une petite lampe qui est juste ici, et là tu as une molette avec 3 degrés de lumière et ça éclaire tellement fort et c'est tellement satisfaisant de courir le matin dans le noir avec cette lampe parce que ça te donne un champ de vision de ouf alors que en fait tout autour il fait noir et tu vois juste ton truc et je trouve que c'est vraiment trop stylé. Et la semaine dernière j'étais au ski et je suis allé courir à 6h du mat en montagne, c'était juste terrible. Donc là je suis prêt à partir, j'ai le leggings, les baskets, le haut compression, tout est carré, plus qu'à mettre le petit bonnet. Et par-dessus le bonnet, je mets donc la lampe frontale. Comme ça, en plus, ça me fait tenir le bonnet. Comme ceci, là, je suis bien. Ensuite, bien évidemment, on n'oublie pas les gants. Et ça, en fait, c'est le plus important, c'est de s'habiller bien quand il fait froid. Parce que si déjà, vous avez un petit peu la flemme, pas forcément la motivation d'aller courir le matin, si en plus, vous n'êtes pas habillé, bah, le froid, ça va juste vous apporter une excuse de plus. Vous allez vous dire, hey, il fait pas froid, il fait froid, etc. Alors, si tu t'habilles bien, vraiment dans ton petit cocon, t'es dans ton petit mood et t'as juste à sortir et aller faire le taf. Donc let's go, je suis parti pour 5 km, je vais juste aller boire un petit verre d'eau avant de partir. Bon du coup là il est exactement 6h49, j'ai pris partir avant 7h, donc nous sommes dans un timing parfait, j'ai même 10 minutes d'avance pour le 5 km du matin. Je prends en général entre 27 minutes et 30 minutes parce que je cours à un rythme tranquille. Parce que le but, c'est pas non plus de se fumer de bon matin, c'est juste d'avoir une bonne habitude et de faire quelque chose de carré tous les matins. Et j'essaie de me reprendre là une bonne petite routine bien efficace, bien productive. Et je suis sur la bonne voie, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'on va activer la montre ?
Course en plein air, 3, 2, 1. Let's go, de bon matin. On allume la lampe. Évidemment, ça n'a pas marché. Let's go, prêt. 3, 2, 1. Et le bazou est parti. Pour 30 minutes de course, pas d'excuses les gars, on est ensemble. Et je vous retrouve juste après. Putain, ça caille un peu quand même. Ouh. Allez, amis, je vais vous montrer la puissance de mon flash. J'ai déjà la tête, je suis en lumière 1. Là, c'est la lumière numéro 2. Et regardez la lumière numéro 3. 3, 2, 1. Bam. Et là, on voit de ouf. Je vous assure qu'à une époque, j'aurais jamais imaginé qui fait courir comme ça le matin. Mais à force de prendre l'habitude, de se mettre cette routine, de découvrir de nouvelles sensations, parce que mine de rien, courir le matin, quand il fait encore nuit, c'est quand même différent de courir en été, l'après-midi. Je vous assure, c'est juste trop kiffant. Et si je peux vous inciter à essayer, ça serait trop stylé. Let's go. Allez, 2,5 km actuellement sur le chemin retour. Ça fait du bien. Là, tu vois, je sais que quand je vais rentrer, je vais avoir cette sensation de tu l'as fait, gros. Tu t'es bougé, t'avais pas envie, mais t'as eu la discipline et tu l'as fait, tout simplement. Et cette sensation, elle est juste indescriptible. Et 5 km. Oh bordel, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai un peu accéléré à la fin. C'est pour ça que je suis aussi essoufflé. Mais terrible. Un bon 5 km de fait. Il est 7h18. J'ai mis donc exactement 26 minutes 5 km pour une allure moyenne de 5 minutes 20 au kilomètre. Donc il était un petit peu plus rapide qu'habituellement. Mais voilà, je me sentais bien. J'avais pas froid. J'avais zéro douleur. J'étais hypé par le vlog. Donc à la fin j'ai couru un petit peu plus vite. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je me suis levé ce matin à 6h. Je me suis dit oh non vas-y. Tu sais quoi. Je suis pas obligé d'aller courir aujourd'hui. Demain, j'ai tout le temps d'aller courir. Je me suis dit non mais gros si tu te dis ça, demain pourquoi je te dirais pas la même chose. Demain tu te dis vas-y j'irai après-demain, etc. etc. Donc j'ai fait le taf, j'ai bu mon café, j'ai répondu à quelques mails. Et là on est de retour à la maison après avoir couru 5 km. Donc là je vais rentrer tranquille et je vous retrouve juste après. Beaucoup de choses à venir pour cette vidéo. Beaucoup de choses. Bah oui ça fait longtemps que je ne vous ai pas vlogué les gars, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué de vlogger et vous m'avez manqué. Ouh. Bon let's go la mif, on se retrouve exactement 2 jours plus tard, donc le surlendemain, et le programme de cette journée c'est exactement le même. Je vais être parti pour mon petit 5 km matinal, pour bien se réveiller, pour bien commencer la journée, et pour garder le rythme et se faire violence. Donc en allant au lit hier, donc dimanche, là parce qu'aujourd'hui on est lundi matin, je me suis dit est-ce que je vais partir demain. Je me suis dit vas-y, tu mets ton réveil à 6h, t'y vas, pas d'excuses, tu montres l'exemple et ça fait plaisir parce que là, ça fait avant-hier, je suis allé courir le matin, là c'est 2 jours plus tard et du coup le rythme commence vraiment à rentrer et ça devient de plus en plus simple de se lever, de s'habiller et d'aller courir et l'habitude rentre et c'est ça qui fait plaisir et c'est ça que je recherche avec ces runs matinaux. Donc là je vais être parti, même tenue que d'habitude, les baskets, le bas compression, le petit short et je suis bien habillé avec les gants, le bonnet parce qu'il fait super froid. Je crois que là il fait moins 1 ou moins 2 degrés ce matin. J'ai bien évidemment ma petite lampe juste ici. On va être parti, 5 km, 6h46 et moi je vous retrouve juste après. Et ensuite à mon retour j'ai une grosse journée qui m'attend. Je suis censé recevoir un gros colis le plus important de l'année 2023. Pas mal de petites updates aussi, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais aussi m'entraîner cet après-midi, une bonne séance push, séance pec. Donc voilà, let's go, on va courir et on se retrouve dans 5 km.
Ouais, il y a des matins, tu te lèves, t'as la flemme. Il y a des matins, tu vas courir. C'est dur. Mais il y en a d'autres, tels qu'aujourd'hui, où t'es motivé au max. Voilà, je vous jure, j'en suis à 2 km. Il y a tout qui passe bien. J'ai pas froid, j'ai zéro douleur. Je kiffe. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais recevoir aujourd'hui pour la journée, à ce que je vais faire des prochaines collections pour Pop Athletics. Je suis en train de réfléchir aux prochaines vidéos YouTube. Ce moment de calme là, que je peux avoir que le matin quand tu te lèves tôt, c'est juste trop trop bon. Pour la motivation, pour l'inspiration et l'imagination, et même juste pour avoir un moment comme ça, seul avec toi-même. Voilà, c'est magnifique. Ah, c'est bon. Et nous voilà à tout pile 5 km. Ouh. Donc je disais, j'ai fait exactement 5 km en 27 minutes 18, ce qui donne une allure moyenne de 5,27 minutes le kilomètre. Il est exactement 7h17 et le taf est fait. Donc là, je vais rentrer tranquillement. Je vais vous montrer ce que je vais manger pour la récupération, parce que là, je suis parti à jeun. Je me suis juste fait un petit café. Donc là, c'est important de bien manger pour bien récupérer des glucides, des protéines et surtout l'hydratation. Donc je rentre, je vous filme tout ça. Et je me répète souvent, mais c'est vraiment en sortant de sa zone de confort, en faisant des trucs comme ça, qui peuvent paraître durs, voire même impossibles au début, c'est en le faisant régulièrement, une fois de plus, one more go, one more time. J'ai lu un livre en plus là-dessus, que je viens de finir. Et c'est vraiment la mentalité, l'attitude à adopter pour faire des choses de gros, pour atteindre de gros objectifs. Et je vous assure que quel que soit le domaine, le sport, vos entreprises, vos travails, votre famille, vos relations, si vous adoptez cette mentalité de one more, mais du point de vue positif, votre vie peut littéralement changer sur tous les aspects. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vlogger, les gars. Genre vraiment, ça fait peut-être un mois que j'ai pas fait un vrai vlog digne de ce nom. J'ai l'impression que ça fait une éternité et que j'ai juste trop trop de choses à vous montrer, à vous raconter. Donc let's go. Bon, du coup, le post-workout après la course à pied, il va se passer en deux étapes. D'abord, enfin, le premier truc, c'est je rentre, je vais direct me prendre un verre d'eau que je viens de boire. Ça, j'ai pas attendu de filmer la vidéo. Donc ensuite, pour le post-workout, ça se passe en deux parties. La première partie, c'est donc de prendre une source de glucides pour refaire les stocks de glycogène. Surtout si j'étais à jeun, etc., c'est important de manger tout de suite. Et de prendre une source de protéines pour refaire, pareil, le stock de muscles et éviter le catabolisme. Et c'est très important de prendre un shaker post-workout ou même une source de protéines, donc que ça soit un shaker ou peu importe quelle autre source de protéines, c'est important de le prendre après la séance si vous vous entraînez à jeun. Si vous avez mangé des protéines avant votre séance, vous n'êtes pas obligé de vous faire directement un shaker post-workout. Donc moi, comme j'étais à jeun, ça va être important de me faire ça. Et donc d'abord, pour la source de glucides, un gel de glucides MyProtein. L'avantage des gels, c'est que ça va s'assimiler rapidement. Vu que c'est un gel, je le prends, je bois un petit verre d'eau, comme ça, ça s'assimile direct et ça descend directement dans mon organisme. Ce gel, il est composé de 25 grammes de glucides, donc c'est parfait pour un post-workout. Et idéalement, ce gel, il est plutôt en intra-workout, donc pendant la séance, parce qu'il est composé de maltodextrine et de fructose. Et idéalement, ça, c'est mieux pour l'intra-workout, donc la maltodextrine. Idéalement, pour le post-workout, ça serait mieux de prendre dextrose plus fructose plutôt que maltodextrine fructose. Voilà, ça fera pas de grosse différence. Donc ça, c'est le premier truc que je vais prendre tout de suite pour les glucides. Ensuite, pour les protéines, je vais me faire un shaker de cette magnifique Whey MyProtein de la gamme Pro goût chocolat caramel, qui est vraiment pas mal. Je vais me faire une scoop de 40 grammes pour avoir quasiment 30 grammes de protéines. Et l'avantage de la gamme Pro, c'est que la qualité de la Whey est nettement supérieure à la Whey basique parce qu'elle est beaucoup plus filtrée, d'où son prix plus élevé. Si vous voulez des gels ou cette Whey, vous avez le code base pour avoir les plus grosses réductions. Je vais aussi normalement me faire 5 grammes de créatine que je prends toujours en post-workout, même si là, ça fait tout le mois de janvier que je n'ai pas pris une seule scoop de créatine. Je ne suis pas un bon élève, mais c'est pas grave. Et ensuite, il me reste encore d'autres glucides parce que le gel, ça ne suffit pas. Et j'ai opté pour un magnifique bol de Frosties. Oui, je sais, c'est des céréales industrielles. Oui, je sais, il y a un peu de sucre, mais ça ne va pas me tuer. Ça ne va rien changer à ma vie, à mon alimentation, ni même à ma santé, parce que je ne prends aucune autre source de sucre ou d'aliments industriels
dans ma diète. Donc voilà, ce que je vais me faire, et c'est pour ça que je prends des fois 6, c'est que je vais me faire le shaker de whey avec du lait que je vais mélanger directement dans les Frosties pour manger le tout ensemble. Et ça m'évite de faire le shaker de whey tout seul à part, parce que je trouve que c'est chiant de boire un shaker comme ça. Et ensuite encore à côté, je dois manger une source de glucides. Donc voilà, au niveau du lait, je prends toujours le même, du lait frais entier, parce que je pense que c'est, lait frais c'est un petit peu mieux que le lait écrémé ou demi-écrémé. Et je le prends entier parce qu'il y a plus de calories et c'est nécessaire pour moi d'avoir beaucoup de calories. Donc voilà pour le post-workout. A few moments later. Direction le base gym pour le deuxième séance. La deuxième séance de la journée. Je suis en train de manger une petite galette au miel. Super bon pour avoir la petite source de glucides. Donc là il est exactement 14h42. Et au programme ça va être une séance push. Je vous explique la séance que je vais faire. Dès que j'arrive je vous filme tout ça. En tout cas je vais essayer de faire une bonne petite perf sympa. Un exo que j'ai pas fait depuis un petit moment. Donc let's go, séance push. On se retrouve tout de suite au base gym. Le bon base gym qui fait plaisir. Donc objectif échauffement intense comme il faut pour se réchauffer parce qu'il fait super froid ici au base gym encore et toujours. Et ensuite ça va être une bonne grosse séance push avec un gros focus sur les pecs et un exercice que j'ai repris là en ce début d'année 2023 et que j'avais pas fait depuis longtemps. Donc je vais vous filmer, vous expliquer tout ça. Et ici comme vous voyez il y a pas mal de cartons, pas mal de bordel entre guillemets parce que j'attends encore d'autres colis. Je devais en recevoir un aujourd'hui, je devais vous le filmer, j'étais trop impatient, j'ai attendu tout le week-end pour recevoir ce colis, mais il y a du retard donc je sais pas si je pourrais le recevoir demain. Avec un peu de chance je croise les doigts et comme ça je pourrais le mettre dans le vlog. Mais si je le reçois pas demain, donc tous les cartons que vous voyez là et le carton que je vais encore recevoir, ça devra attendre pour la semaine suivante, le prochain vlog malheureusement. Donc bref, là, je vais tout de suite m'échauffer et on se retrouve juste après pour le premier exercice de la séance PEC. Et ça envoie du lourd, les gars. Ça va envoyer du lourd et je ne parle pas des dips, ni même du développé couché barre. Donc, à votre avis, de quel exercice je parle? Et oui, je parle bien du développé couché aux haltères à plat. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas filmé cet exercice et que j'ai même moi-même pas fait cet exercice. Et j'ai repris en début janvier, là, début 2023, parce que j'avais envie de faire des séances un petit peu plus tranquilles et vraiment travailler un petit peu, on va dire, l'hypertrophie et les pecs. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice, j'ai vraiment pris du plaisir à pas redécouvrir un exercice, mais changer un petit peu ma routine d'entraînement. Donc je l'ai refait, je crois, 3 fois ou 2 fois cette année. Et là, l'objectif du jour, ça va être de faire 60 kg par main, donc les haltères 60 kg, pour 3 séries de 6 répétitions. Ça s'annonce un petit peu épicé, parce que 60 kg par main, c'est quand même lourd, mais je pense que ça va le faire et on va voir où j'en suis. Si je valide pas ça, c'est que j'aurais perdu de la force. Si je le valide, c'est que tout est bon. Donc voilà, objectif 3 x 6 à 60 kg par main. Là, je vais m'échauffer tranquillement avec une montée progressive. J'ai ici les haltères de 20 kg. Et let's go! Quel plaisir cet exercice! Boum, regardez-moi ça. Bien explosif, comme on aime, comme il faut. Et 10. Voilà, là c'était 20 kg et l'objectif c'est de faire 30 kg, 40 kg, 50 kg et ensuite je vous retrouve aux 50 kg pour le jump de 50 à 60 et ensuite 3 x 6, donc 3 séries de 6 répétitions à 60 kg par main. Regardez. Regardez, j'ai ici toute la lignée des haltères, ça va de 5 kg à 70 kg et les 60 kg normalement c'est ceux-là, ils m'attendent bien sagement. Regardez-moi ça, 60, magnifique. Ça va être le jouet pour aujourd'hui, après le run de ce matin. Et ça, je ne sais pas ce que c'est.
Let's go, la première série à 60 kg, les haltères sont juste là. Et on rappelle, objectif, 3 séries de 6 répétitions. D'abord, l'objectif, c'est déjà de faire la première série avec 6 reps pour voir comment elle passe, parce que ça se trouve, je vais même pas réussir. Mais let's go, je crois en moi, on croit tous en Bazou. Le plus dur, c'est la mise en place. T'es solo là, faut se pencher et choper les 60 kg pour les mettre sur tes cuisses. Allez mon gars, 6 reps. 6 reps propres. Oh. C'est ça le plus dur en vrai. Et le deuxième. Let's go. Maintenant, il n'y a plus qu'à. N'oublie pas les gars, base athletics, made for performance. Une ces gifles à ce point là, j'en ai juste fait 5 et du coup on va rester sur 5. Je sais pas pourquoi je dis 3 x 6, en fait je sais pourquoi je dis 3 x 6, je vais être honnête avec vous, c'est que la semaine dernière j'avais fait 3 x 6 et je pensais que c'était les 60 kg, sauf que je viens de réaliser que c'était les 55 kg que j'ai pris la semaine dernière, c'était pas du tout les 60. Donc je vais pas faire le fou, je vais rester à 60 et je vais faire encore 2 séries de 5 reps, pas du tout 6, 3 x 5. Ça sera très bien pour aujourd'hui. Oh, la gifle que je me suis pris là. Bon, allez, on est parti sur la deuxième série, même si je vous avoue que la première, elle m'a mis un coup. Surtout qu'avec le run de ce matin, je suis pas à 100%. Mais let's go. Objectif 5 reps sur la deuxième série. Pouf. C'est que je sens que je dois vraiment me réhabituer à cet exercice. Parce que comme j'ai dit, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Il faut que je refasse toutes les connexions neuronales. Allez, encore une série, la troisième. Et si je peux valider un 3x5 à 60 kg, je serai quand même satisfait de moi là. Ouh, mon dieu. Oh, ça pique. Allez, on garde la motive là. Pour le peuple. Pour la communauté, les gars. C'est... une bonne reprise de vlog et une bonne reprise de développé couché aux haltères, 3 séries de 5 reps à 60 kg avec un, j'allais dire avec un petit run de ce matin, mais ça c'est pas une excuse, pourquoi je raconte ça. Donc là, le gros de la séance est fait, là j'ai pu mettre lourd, travailler le système nerveux, donc en soi, là j'ai de l'hypertrophie parce que je suis proche de l'échec, voire même à l'échec là en l'occurrence. Et en plus je travaille la force parce que 6 reps, 5 reps, c'est quand même un nombre de reps assez court. Donc ça permet de recruter beaucoup d'unités motrices d'un coup pour faire bouger le poids. Et donc je vais travailler la force aussi. Là maintenant je vais passer à la poulie, faire mon fameux exercice d'écarté presse à la poulie. 4 séries de 10 à 12 reps pour le volume. Donc je vous filme ça et après je vous filme les autres exos de la séance. Voilà, vous voyez quand vous faites des séries avec une grosse intensité, votre cardio il monte dans le rouge direct, c'est incroyable. Donc si vous pensez avoir une grosse intensité dans vos séances et que vous n'avez jamais eu cette sensation d'essoufflement, c'est probablement que vous pouvez chercher d'avoir un petit peu plus d'intensité, d'être un petit peu plus proche de l'échec, bah, tout simplement pour augmenter l'intensité. Donc voilà, là, je vais mettre le banc à la poulie d'angle juste là-bas et on attaque le deuxième exercice de renforcement. Let's go, meilleur exercice du monde pour les pecs. On met le banc à plat comme ça, vous pouvez aussi l'incliner si vous le voulez. Mais à ce moment-là, vous devrez mettre votre poulie tout en bas. On se met droit, on est bien stable. Et à partir de là, on peut étirer les pecs à fond, contracter les pecs à fond,
Et là, moi, je suis parti sur 4 séries de 10 à 12 reps. Let's go, on est parti sur le dernier exercice de la séance des extensions triceps à la poulie avec la corde. Je vais faire 4 séries de 12 à 15 répétitions. Et oui, je n'ai fait que 2 exercices pour les pecs. Pourquoi? Je vous explique juste après. Là, je vais juste terminer mes extensions triceps et je vous explique après pourquoi j'ai fait que 2 exercices pecs. Là, je termine avec les triceps et juste avant, j'ai fait des élévations latérales aux haltères. Ça, j'ai complètement zappé de vous le filmer. J'ai juste fait debout 3 séries de 15 reps élévations latérales aux haltères pour avoir un petit peu de volume sur les épaules. Et là, donc, je termine avec 4 séries de 12 à 15 reps extensions triceps. Let's go! Bon, du coup, séance push terminée, ça fait plaisir, 2 entraînements dans la journée, c'est vraiment un truc que je kiffe en ce moment, je le fais pas tous les jours forcément parce que la charge physique, la charge mentale, la charge de travail, ça serait beaucoup trop, mais donc là je vais rentrer à la maison. Comme dit, je vais vous montrer pas mal de trucs au bas gym, notamment avec tous ces cartons, mais je suis censé recevoir aussi autre chose et je préfère attendre demain, voir si je le reçois demain. Donc sinon, pourquoi j'ai fait que 2 exercices pec dans cette séance? Je le ferai très rarement, voire même jamais, j'ai jamais 2 séances pec dans une séance parce que c'est tout simplement pas suffisant pour moi. Et quand je fais des séances push, j'ai toujours le gros focus sur les pecs. Mais le truc, c'est comme j'ai couru ce matin, j'ai quand même déjà une petite charge de fatigue qui s'est accumulée. Et je compte refaire une deuxième séance push dans la semaine où là, j'aurai plus de volume. Donc plutôt que de faire beaucoup de volume maintenant alors que je suis un petit peu fatigué, je préfère garder la grosse intensité pour la deuxième séance push de cette semaine. Et aussi, car là, nous sommes que lundi et la semaine dernière, donc vous avez vu la dernière vidéo que je vous ai sortie, je fais 100 pompes par heure pendant 24 heures. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours, ça on va en parler juste après. J'ai quand même fait 100 pompes par heure du coup pendant 24 heures et ça m'a brisé les pecs et les triceps. Les épaules, ça... Non, les épaules, j'avais mal, j'avais vraiment des courbatures, mais c'est plus l'insertion du biceps et des pecs. Mais les courbatures que j'avais aux pecs et aux triceps, c'était terrible. Pendant littéralement 4 jours. Ça faisait vraiment très très longtemps que j'ai pas eu autant de courbatures, des courbatures aussi longues, aussi intenses, c'était vraiment terrible. Voilà, c'était que, entre guillemets, 2400 pompes sur la journée en tout. Mais, j'ai dégusté au niveau des courbatures. Donc, pour ceux qui se demandaient comment je me sentais après avoir fait ce challenge, c'était dur. C'était vraiment très, très dur physiquement. Dites-vous que le lendemain et le surlendemain, je pouvais même pas faire une pompe seul comme ça au poids de corps, tellement le fait de descendre comme ça sur mes appuis, ça m'étirait toutes les courbatures. Bref, c'était horrible. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai fait que 2 exercices pec pour cette séance. Mais comme j'étais à l'échec ou proche de l'échec, c'est quand même suffisamment intense et suffisant donc pour l'hypertrophie. Donc voilà, je vais rentrer à la maison et je vous retrouve juste après pour la suite de ce vlog. Peace. Bon, décidément, je crois que je suis maudit. Le carton dont je vous ai parlé, je ne l'ai absolument pas reçu. Donc, je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos, dans les prochains vlogs. Je suis censé recevoir 4 livraisons, les gars. 4 livraisons. J'en ai reçu 0. Elles sont toutes en retard. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour terminer cette vidéo, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit en tout début, je vais profiter rapidement, pour pas que ce soit trop long, de vous parler un petit peu de ce mois de janvier, les vidéos que je vous ai postées et les vidéos que je vais poster dans les semaines et les mois à venir pour que vous compreniez un petit peu mieux la direction de ma chaîne YouTube et ce qui se passe un petit peu dans la tête du base, parce que j'aime bien être transparent à 100% avec vous. Donc déjà, tout le mois de janvier, je vous ai mis une vidéo par semaine, juste le dimanche soir. Ça m'a fait vraiment bizarre au début de ne pas mettre de vlog 2 fois par semaine et de mettre juste une vidéo par semaine. Et en plus, cette vidéo, ce n'était pas un vlog, c'était soit un concept, soit un challenge un petit peu différent d'habitude avec un gros montage et un thème sur la vidéo. J'ai eu énormément de retours positifs sur ces vidéos. Donc déjà, merci pour le soutien, merci pour tous vos retours et tous vos conseils, etc. Ça fait vraiment plaisir de tous vous lire. Il y a eu quelques retours un petit peu
plus négatif aussi sur certaines personnes qui préféraient les vlogs, qui préféraient quand je faisais des sèches, etc. Et là, ce que je vais dire, c'est que de toute façon, les vidéos qui vont venir cette année, il y en aura plein qui seront différentes de ce que je fais d'habitude. Parce que ça fait plus de 3 ans que je fais 2 vlogs par semaine. Et j'ai juste envie, pour moi, parce que je vais kiffer ça, de tester de nouvelles choses, de tester de grosses perfs, de tester d'apprendre des choses, que ce soit dans le domaine du sport ou même non sportif. Et en même temps que je vais tester ces trucs, en profiter pour faire des grosses vidéos avec un espèce de storytelling, un gros montage et vraiment une vidéo bien dynamique pour que à la fin de la vidéo, vous vous dites « Waouh, cette vidéo elle était trop stylée, j'ai vraiment kiffé ». Donc bien évidemment, à côté de ça, je vais continuer de faire des vlogs parce que j'adore les vlogs, c'est le cœur de ma chaîne depuis tant d'années et je peux juste tout vous dire à travers ces vlogs et c'est ça que j'adore. Et comme j'ai de gros projets cette année avec Base Athletics, bien évidemment, j'ai envie de vous documenter et vous expliquer tout ça à travers mes vlogs quotidiens et aussi pour tout ce qui sera mes perfs, etc. Donc l'objectif pour l'instant, je pense, parce que ça peut changer, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur, c'est que les dimanches, je vais garder une grosse vidéo avec un concept ou un thème particulier. Par exemple, je teste d'apprendre ça, j'essaye ce sport, je fais un feat avec X ou Y, ça sera pour les dimanches, où je vais pouvoir déléguer le cadrage avec des experts, déléguer le montage avec un expert aussi, parce que vous avez vu que les montages sont beaucoup plus qualitatifs et moi, j'ai pas le temps ni les compétences pour faire ça. Donc ça sera pour les vidéos du dimanche soir, 18h, comme d'habitude, des grosses vidéos bien kiffantes où je repousse mes limites, où j'apprends de nouvelles choses ou tout simplement où je fais des feats avec d'autres personnes. Et les mercredis, peut-être toutes les semaines ou une semaine sur deux, je posterai mon vlog habituel. Mercredi à 18h, dans lesquels je vais vous retracer tout ce que je fais au quotidien, niveau diète, niveau running, niveau entraînement, avec Base Athletics, avec les déplacements que je vais faire, comme je l'ai fait durant toutes ces années. Et je pense que c'est le meilleur compromis pour moi, pour kiffer, pour avoir de bons souvenirs, pour continuer d'avoir ma proximité avec vous et en même temps vous proposer du gros contenu bien divertissant, bien motivant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas pour cette année 2023, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, que ce soit pour Base Athletics au niveau des projets, mais aussi au niveau des projets sportifs. J'espère que ça va se concrétiser. Je vais bosser dur, charbonner dur. Là, je commence à prendre une routine matinale et il y a plein de choses que je vais vous montrer dans les semaines à venir. Ça va juste être terrible, donc j'ai juste beaucoup trop hâte. Mais en tout cas, merci d'être là pour me soutenir à travers Base Athletics en utilisant le code BASE sur MyProtein et en étant là, en mettant des commentaires, des pouces bleus et en vous abonnant parce que ça fait juste trop chaud au cœur. Et il y a le podcast, le BASEcast qui arrive dans les semaines à venir avec le premier épisode. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, elle est dans la description, le BASEcast. Abonne-toi à la chaîne YouTube et le podcast sera disponible sur toutes les plateformes. Voilà pour le retour de ces vlogs et pour toutes les explications. Je vous kiffe la mif, c'était un énorme plaisir de vous refilmer mon quotidien, mes entraînements, mon petit run matinal. Et moi, je vous retrouve dimanche soir pour une vidéo bien sympathique. Vous allez kiffer et voilà, prenez soin de vous. Force à vous, le taf est fait et... Putain, qu'est-ce que je vous kiffe, les gars. Ciao, la mif.